Au Guaya, vous savez que les yeux ils savent, les yeux permettent de... Quand vous pensez quelque chose, juste quand vous pensez quelque chose, vous voyez la chose dessinée dans vos yeux. C'est comme ça. Juste quand vous pensez quelque chose, vous voyez la chose dessinée dans vos yeux. Dans vos yeux, c'est comme ça. Tel les yeux. Tel les yeux et tel le vide des yeux ouverts. Et c'est quoi? C'est un miroir qui transforme pensée, même parole en image. Il réalise quoi? Il réalise la volonté. On veut. Mais pour avec elle, on voit qu'il y a de volonté. Il réalise la volonté. Comme la volonté. C'est comme ça. Ce que tu veux, tu veux dire plus de quelque chose, tu veux quelque chose. Tu lui dis ça, il va te réaliser ça. Il le verra comment? En t'inspirant. C'est un escapé. Il va t'inspirer et cette inspiration, à travers cette inspiration, ça te facilite quoi le déchiffrement. Mais quand tu déchiffres, tu fais quoi? Quand tu déchiffres, tu fais quoi? Quelle est ce problème? Tu as ce que tu voulais. C'est comme ça. Et c'est cet obus là, c'est un escapé. C'est ouvert là. Miroir qui est notre parole en image. Il réalise la volonté. C'est ça qui a. C'est lui qui avait réalisé la volonté de Salomon. Quand Salomon voulut prendre le trône de quoi? De la reine de Saba. C'est lui qui avait béni le trône depuis où il est. Il l'a mis au cœur de Salomon. Tu vois ça? C'est l'obus. Ce pomme là, que Salomon coupe et plante, et l'arrose va se nourrir. Lui qui a fait venir, les yeux ouverts. C'est comme ça. Juste par la volonté de Salomon, je vais si, je vais le tourner de l'eau. Il a dit ça va. Le ça. Ce mini-bois, les yeux ouverts, ce mini-bois qui transforme quoi? Parole, qui transforme pensée en image. Très puissant. C'est comme ça. C'est comme ça. Qui me fait comme ça? Il veut prendre ça comme exemple. Salomon, mon élève. Et quel bon. Quel excellent élève. Quel excellent étudiant. Très obéissant. Qui veut faire comme lui? Que celle qui veut faire comme lui, qui s'annonce.